Ces 27 et 28 mai, le jeune pilote marocain Michael Ben Yahia était à nouveau sur les pistes, cette fois au circuit de Castellet pour la manche française du championnat V2V afin de continuer à se préparer pour le championnat NEC de Formule Renault 2.0. La course s'est bien passée, le départ était bon. Malheureusement, je n'ai pu arriver que troisième à cause d'une chauffe de mes pneus. Je voudrais témoigner de ma fierté de représenter le Maroc dans cette course. I'm very proud to represent Morocco. Ayant eu des difficultés à trouver un tour sans être gêné au milieu des 25 voitures en piste, le double vainqueur de Portimao ne parvenait pas à se qualifier mieux que 7e, mais réussissait à remonter en course et à décrocher un nouveau podium avec une belle 3e position ce dimanche. On fait des courses du championnat B2B avant de faire le NEC, parce que le NEC va démarrer au mois de juin. Donc voilà, l'idée c'est de se préparer au maximum. Il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à l'année dernière. L'année dernière, Michael était en F4, où c'est des formules monotypes, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes voitures, il y a très peu de possibilités de réglage. Là, cette année, c'est complètement différent. Il travaille dans une équipe, il n'est plus dans un championnat où on fournit les voitures, il est dans une équipe avec un ingénieur, avec des mécaniciens. Le circuit de Castellet, appelé aussi circuit Paul Ricard, accueille depuis 2009 des épreuves de compétition automobile et moto d'envergure internationale.